vous lire juste un petit passage dans les mémoires Anat. Les mémoires Anat, c'est la vie de Rabbi Nathan. C'est... Ici, il raconte quand il est arrivé, quand il a voyagé en Eretz Israël, pour vous montrer qu'est-ce que c'était la sensation de Rabbi Nathan, de qu'est-ce que c'est de l'écouter Moran. Donc vous voyez comment Rabbi Nathan il vivait l'importance de l'écouter Moran. Donc maintenant, Rabbi Nathan il se trouve ici en Égypte, il se trouve à Alexandrie, il a voyagé de Odessa à Istanbul en bateau, et après de Istanbul à Alexandrie. Et maintenant, il va prendre un bateau d'Alexandrie à Tzidon, en Eretz Israël. De là-bas, ils allaient directement à Tzfat. C'est ça le derrière. Maintenant, il se trouve à Alexandrie. Alors, comment ça se passait? Quand le bateau il arrivait, et lui, il était avec son ami, il avait Rabbi Eliezer qui était avec lui. Et il y avait donc, c'était des grands bateaux, des grands voiliers. Il fallait descendre du voilier, prendre un petit bateau et aller avec... Accoster avec le petit bateau. Et c'est comme ça que les gens, ils allaient en ville. Maintenant, Rabbi Nathan, quand il est arrivé, il a laissé son ami dans le bateau. Il est allé avec le capitaine qui partait dans la ville pour trouver des juifs, des trucs. Ils ne savaient pas où aller, rien du tout. Ils avaient tout leur bagage. Donc il a été. Une fois qu'il a trouvé, au bout de quelques heures, la communauté, des gens qui étaient d'accord de l'accueillir et tout, il ne savait plus comment revenir, puisque là-bas, il y avait des dizaines de bateaux. Il ne savait plus quel était son bateau, il ne savait plus rien du tout. Le pauvre, il était perdu comme ça, toute la journée, il a cherché, il est revenu, il est reparti. La nuit, il a dû repartir dormir, il ne savait plus, il était affolé complètement. Alors il dit, après, il a trouvé quelqu'un qui était d'accord de l'amener, de l'amener vers de chercher avec lui. Il s'appelait Aaron. Alors, quand il était avec ce juif, ce Rav Aaron-là, il est venu de Salonique, ce Rav Aaron. Alors, il parlait un petit peu l'hébreu comme ça, parce qu'il disait que même l'hébreu des juifs là-bas en Égypte, c'était Bichlal pas compréhensible. C'était quelque chose qui ne pouvait pas se comprendre. Leur hébreu, il n'était pas compréhensible. Et là-bas, c'est extraordinaire parce que vous voyez que les juifs ashkénazes, ils n'avaient jamais vu de leur vie, ça n'existait pas. Et dit tous les enfants, ils se moquaient d'eux quand ils les voyaient. Tout, c'était comme des gens, c'était bizarre, ils n'avaient jamais vu ça. L'hébreu, leur hébreu, il était très difficile à comprendre. Ils n'arrivaient pas à se comprendre, c'était très dur. Avec ce juif-là de Salonique, après ils sont arrangés, ils se comprenaient un petit peu. Alors il lui a demandé, ce Rav Aaron, Rabbi Nathan, il lui a dit, il n'y a pas un nouveau livre, un nouveau Sefer, au basé, et avec ça, Rabbi Nathan, il m'a redonné la vie quand il m'a demandé ça. Et tout de suite, je lui ai répondu, Sheyeshitis Sefer Chadash. Il dit, j'ai avec moi un livre nouveau, chez l'Oreitim Oto Adaim Bemedinazo. C'est un livre que vous n'avez pas encore vu dans votre pays. Où Shmo Sefer l'écouter Moran. Et le nom de ce livre s'appelle l'écouter Moran. Veze Aenia Necheya Oti Meod. Et ça, cette chose-là, elle m'a donné beaucoup de vitalité. Vamarti Belibi. Et je me suis dit dans mon cœur, chez Bishvilze Levad, que pour ça seulement, Kedai Kola Yisurim Vetiltulim chez Yeshli. Shani Achav Kmo Begalut Mitzrayim. Parce que Kedai, toutes les souffrances et les voyages que j'ai, que maintenant je me trouve comme en Galout en Égypte, Shani Narvenad, que je suis comme ça balancé d'un endroit à l'autre, ou Metultal ou Mebulbal, et que je suis comme ça transporté et troublé d'Alexandria, dans la ville donc d'Alexandrie, chez le Mitzrayim, d'Égypte, Asher Neolam Lo Alal Da'ati Liotkan, que jamais de ma vie j'ai pensé qu'un jour j'allais être en Égypte, Alexandrie. Aval Keshani Zoché le Azkir d'Alexandria Bashouk. Et quand moi, il dit, quand je le mérite de mentionner dans le chouk d'Alexandrie, Shem HaSefer Shel Rabbeinu Anora, Zichron Evracha, le nom du Sefer, l'écoutez Moharan, Bishvilze Hakol Kedai. Rien que pour ça que tout c'est Kedai. Tout. Pour mentionner le nom, il ne dit pas encore maintenant le livre. Celui que lui il a écrit, c'est Rabbi Nathan qui a écrit ce livre. Il a écrit en partie, mais c'est Rabbeinu qui a écrit. Rabbeinu l'a écrit des Torahs, et les Torahs que Rabbi Nathan il écrivait, après il les donnait à Rabbeinu, il les repassait, il arrangeait. Mais c'était tout fait avec.
Mais Rabbi Nathan, quand il écrivait, c'est comme Rabbi Nathan, la personne, on essaye de la secouer avec ça. Pourquoi ? Pour qu'elle soit modée, qu'elle dise merci mon Dieu. Parce que quand il va dire merci mon Dieu, c'est un début d'éveil. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il commence un petit peu à bouger dans le coma dans lequel il est, il commence un petit peu à se réveiller, en disant merci mon Dieu. Quelqu'un qui a de la hoda'a, qui est reconnaissant devant Hachem, il commence à se réveiller. Et c'est une ségoula pour se lever à Chatzot. Puisque dans Chatzot même, c'est écrit « Akum leodot lach al mishpete tzidkecha ». Chatzot laïla, à Chatzot, je vais me lever pour te remercier. Donc dans le remerciement, il y a le réveil de Chatzot. Dans le remerciement, tu remercies. Mais quelqu'un qui va dormir avec le mal, l'angoisse, qui dit « Ouais, j'ai rien fait, j'ai pas ça, j'ai pas l'autre. » Comment il va se réveiller au milieu de la nuit? Il ne peut pas se réveiller. Quand il est réveillé, il est endormi déjà. À 2h du matin pour toi. C'est l'intérêt. À quelle heure? 2h30. 2h15. 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 Est-ce qu'on peut faire entre... jusqu'à 4h moins quart en ce moment? On peut le faire entre l'habitant du match de foot? Hein? L'habitant du match de foot. Même sur le terrain, tu peux le faire. Problème, il n'y a aucun. Quand tu veux, Hachem, il est là. Je viens de chercher ce soir. Il est Rahman. C'est une ségoula. Une ségoula pour se réveiller, c'est de remercier. Parce que quand on remercie, on prend conscience de ce qu'on a. Quelqu'un est endormi parce qu'il n'est pas, conscient de ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Pour Hachem, quelqu'un, Hachem, il lui a donné, il en est à Israël, il a la santé, il a une femme, il a ça. Mais comment il faut être modèle, Hachem? Hachem, Hachem, Akadosh Baruch Hu nous a choisi, Am Segula, on a Am Segula du monde, cette bête qu'on a été choisi, mais c'est un cadeau nifla. Mais prendre conscience de ça par le remerciement, ça permet de se réveiller. C'est-à-dire, on dit, attends, mais regarde tout ce qu'on m'a donné. C'est vrai, alors, vous le voyez ça dans la vie, quand des enfants ils sont gâtés, les parents les essayent de leur faire prendre conscience. Et disent, mais t'es jamais content, tout ce qu'on te donne, tu prends jamais, tu es content. Mais sois content un petit peu. Ça veut dire qu'il est gâté. Quand il est gâté, il est endormi, il se rend pas compte. Il croit que tout c'est normal. On lui achète ça, c'est normal. Il demande ça, on lui donne, c'est normal. C'est normal. Quelqu'un, il m'a dit, il a voulu faire cadeau. Regarde quelqu'un, jusqu'où quelqu'un peut arriver dans ce monde. Il m'a dit, quelqu'un, il avait un ami. Mais si, quelque chose qui s'est passé maintenant. Il avait un ami qui a vu une moto, ou je sais pas, un truc, qui coûte 10 000 shekels. Alors, il l'a vu, il disait que c'est beau, cette moto, etc. Il a compris que ça lui aurait fait plaisir de faire cette chose-là. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commandé. Et il a dit, vous la livrez à un tel. Maintenant, le gars qui devait faire la livraison, il s'est trompé. Ça a traîné. C'est-à-dire, il a dit, la moto, il la reçoit que dans une semaine. Entre-temps, lui, il a averti la secrétariat chez son ami. Il dit, voilà, vous allez recevoir une moto, tout ça. L'autre, au bout d'une semaine, il n'a pas reçu. Alors la secrétaire, elle appelle le gars, elle lui dit, voilà, je vais t'envoyer une facture parce que bon, c'est pas nécessaire la moto, tu nous envoies l'argent, je t'envoie une facture, tu nous envoies l'argent. Je dis oui, toi tu voulais payer la moto. Bon, tiens, je te fais une facture, tu nous donnes l'argent. Regardez quelqu'un, comment il peut être. L'argent lui donnait la moto. Non, il voulait l'argent, mais comme la moto. Non, comme la moto. Qu'est-ce que la moto n'allait pas arriver? Donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent, du cadeau que tu veux me donner. Il y a tellement pas d'oda qu'il y a coup de soin de demander. Donne-moi l'argent du cadeau. Regardez quand quelqu'un n'a pas de la hoda. Il ne sait pas dire merci, il peut arriver. Il peut l'amener même au tribunal pour lui prendre l'argent. Ouais. Mais tu t'es engagé. D'ailleurs, on peut aller chez le gars de la moto, il dit oui, c'est vrai, il s'est engagé à commander pour l'offrir à un tel. Il dit bon, moi je veux l'argent, qu'est-ce que ça te change pour toi? Mais il n'y a pas de limite, c'est-à-dire nous ça nous fait rire, mais il ne faut pas croire qu'on est loin de ça dans nos comportements avec Hachem.